Ben moi, j'avais envie de me reconvertir en fait dans l'infoprenariat parce que mon travail ne m'épanouissait pas. Et j'avais déjà suivi le programme de Cécile. J'étais inscrite sur sa formation opération-coopération. Et je trouvais génial déjà son approche de l'éducation ludique. Et quand j'ai vu les petites vidéos qu'elle a fait sur le fait de se réaliser, voilà, de réaliser ses rêves, ça m'a vachement parlé. Cécile, je la connais depuis un bout de temps maintenant. Je la connais depuis qu'elle est une bébé blogueuse, depuis ses tout débuts. Et c'est vraiment quelqu'un en qui j'ai une grande confiance. Donc ça aussi, ça m'a donné envie d'aller vers elle. Tous les jours, on a un audio et un exercice à faire, soit sur le thème du développement personnel, soit sur le thème de l'infoprenariat, donc d'Internet, avec des choses concrètes et puis des choses qui relèvent plus du développement personnel, de routines à mettre en place pour se sentir bien, pour être en ligne avec ses valeurs, etc. Donc, c'est vraiment assez dense et moi j'ai trouvé ça vraiment génial parce que c'est à la fois complet, parce qu'on fait vraiment le tour des problématiques en fait qu'on a quand on veut se lancer. Et donc l'idée c'est de bien se connaître, de faire le point sur ses valeurs, sur ses objectifs. Ce qui m'a vraiment plu dans ce programme, déjà, c'est le groupe Facebook sur lequel on peut échanger tous les jours. On peut partager, échanger, montrer un petit peu ce qu'on fait, avoir des remarques. On a un coup de mou, il y a forcément quelqu'un dans le groupe qui va voir notre petit message sur notre groupe privé dans Facebook, puis qui va venir nous monter le moral. Au niveau du contenu, chaque fois, toutes les semaines, on avait plein de petits exercices à faire. Alors, sur la durée, c'est vrai qu'il y a certains exercices où on a, enfin moi personnellement j'ai pris plus le temps d'en faire certains que d'autres. Après globalement ils sont tous utiles et ce que j'ai trouvé super génial c'est que comme le programme est accessible à vie, on peut y revenir par après parce que évidemment la vie n'est pas figée, je vais encore évoluer et donc du coup c'est super d'avoir les exercices sous la main, de pouvoir y revenir, de les refaire, peut-être de prendre le temps d'en faire certains qu'on n'a peut-être pas eu le temps de faire au niveau du développement perso, etc. Donc ça c'est vraiment top. J'ai aussi apprécié les PDF et les audios qu'on reçoit chaque jour qui permettent de faire une introspection aussi bien personnelle que professionnelle. Qu'est-ce que ça a changé? Ça a mis en place mon projet. Donc, j'avais pas au départ de projet et il a mûri. Voilà, j'avais juste envie de reprendre le travail, mais je savais pas trop quand, je savais pas trop comment. Et surtout, je ne me suis pas trompée. C'est un vrai programme de qualité. Mon idée, en fait, à moyen et long terme, c'est même à court terme, c'est de reprendre une activité qui soit compatible avec nos choix de ne pas scolariser notre enfant. Et donc, du coup, j'avais un projet en tête qui s'est plus ou moins, enfin, qui s'est construit au fur et à mesure. Et il me manquait peut-être un petit coup de pouce pour sauter le pas et puis surtout pour retrouver une belle organisation qui me donne beaucoup d'énergie et qui me booste. Moi, grâce à ça, j'ai pu trouver un projet qui me convenait réellement. J'avance. J'ai découvert des tonnes de trucs. Je me suis mis des défis sur l'informatique parce que j'étais nulle en informatique. Et grâce à tous ces défis, je progresse de jour en jour et tous les jours, je vois que j'avance et ça, c'est génial. Cécile, par ses exercices, par la dynamique de groupe, par nos rencontres ensemble, tout ça a vraiment permis que je cible vraiment au plus près de moi-même ce que j'avais envie de faire et d'offrir aux autres et de pouvoir se recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour soi et pour... Voilà, savoir exactement qu'est-ce qui nous tient à cœur et qu'est-ce qui nous donne vraiment, quelle est notre intention. En fait, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter à soi-même, mais aux autres aussi. Donc voilà, et puis trouver aussi cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle, ça aussi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Parce que si on ne prend pas de soin de soi, on ne sait pas prendre soin des autres. Donc
vraiment se connecter à soi, c'est vraiment important. Et donc, chaque jour, nous avons des exercices de la part de Cécile qui nous permettent justement d'avancer personnellement et aussi professionnellement. Et donc, mon projet n'est pas né de là, mais de là. À l'heure d'aujourd'hui, je suis encore plus déterminée dans mon projet professionnel. J'ai pris confiance en moi, j'ai fait des boosts au niveau, des super avancées au niveau professionnel et aussi dans ma vie privée, dans mon rapport à moi, dans mon rapport aux autres.